mars la vache au pré. Si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter. Attends Stéphane, moi je vois beaucoup de vaches manger dans les champs, mais j'en vois pas se gratter. Bon, les vaches dans les champs, il y en a de moins en moins. Mais vois-tu, les vaches ont passé l'hiver dans une étable et en mars, nous pouvons les libérer de manière à ce qu'elles aillent dans les prés, qu'elles se réjouissent de la nature, de l'air libre. Qu'elles se roulent forcément dans les champs. Non, pas quand même, mais qu'elles puissent, non pas qu'elles vont pouvoir manger l'herbe qui n'a pas encore poussé, mais au moins elles vont pouvoir se gratter, danser et prendre du plaisir. Stéphane vit dans un dessin animé en permanence. Ah. Bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour apporter de la magie, du beau, mais aussi de la simplicité à votre quotidien. Et regardez, ce matin, il y a ce petit brouillard qui rend tout magique. Sommet. Michel Cousin est l'un des derniers artisans sabotiers. Dans son atelier, il nous présente son savoir-faire, le choix du bois en fonction des usages. Le verger à graines est organisé et géré pour conserver une sélection d'arbres remarquables et récolter leurs graines en abondance. Dans le Berry, le prieuré Notre-Dame d'Orsan propose de réinventer le jardin médiéval sous toutes ses formes et nous invite à une visite époustouflante. Et tout de suite, retrouvons Stéphane. Il trotte dans les faubourgs de Nantes. Les rues se succèdent, les maisons, les jardinets, un arbre lui tend les bras. Il est temps de rejoindre Julien, qui, devant chez lui, aimerait profiter d'une vision personnelle, différente, sans trop se casser le dos. Bonjour Julien. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Mais ça va et toi? Oh, super. Bon. Alors, c'est l'endroit? Exactement, c'est l'endroit. On a acheté ici il y a 6 ans à peu près. Ouais. On a fait pas mal de travaux. Cette année, on a posé l'enrobé et les pavés. Les petits cailloux blancs pour éviter les projections d'eau sur les murs. Quand on est arrivé, il n'y avait aucune clôture, aucun arbre. Comme chez les autres voisins? Exactement, c'était un lotissement un peu à l'américaine. Donc on a posé la clôture, Les fautinias en haie. Et puis on a posé les deux oliviers. Ça nous rappelle la Corse un petit peu. D'accord. Et donc en fait, bah, ici, il reste le problème un peu du vis-à-vis qui est au fond. C'est la raison pour laquelle il y a cette jardinière? Que j'ai faite moi-même. Bravo. Merci. C'est bien. Bon, après, on voit le résultat dedans. C'est pas terrible, hein, les petites plantes qui sont dedans. Bah, c'est pas terrible parce que je pense que ça a été planté il y a peu de temps et qu'il y a eu des chaleurs épouvantables. Mmh, exactement. Mais alors, quel est le souci? Alors, le plus gros des soucis pour moi, c'est le gazon. C'est que pour venir tondre ici, il faut que je sorte la tondeuse à l'arrière. Ouais. Donc, c'est un peu contraignant. Et puis, au fur et à mesure des années, avec les chaleurs et le manque d'arrosage, bah, le gazon ressemble plus à du gazon. C'est normal, dans la mesure où la haie a poussé, il y a moins de lumière sur l'herbe l'hiver qui, pour le coup, maigrit, et on voit bien que ça souffre. L'idée, ce serait de remplacer le gazon. Vous avez eu des idées? Alors, on a eu une solution radicale il y a quelques mois. On voulait faire un dessin avec des cailloux, mais on aurait trouvé que ça manquait pas mal de plantes. Ça n'aurait pas fait assez vert, donc on ne s'est pas lancé dans ce projet. D'accord. Il y a des plantes que vous aimez? Alors, on aime tout ce qui est laurier, les hortensias Annabelle, les sols crevettes. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que tout ça, c'est très graphique. C'est contrasté, les graviers blancs, l'enrobé noir, les oliviers comme ça, qui nous parlent un peu du sud. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et puis, essayer de se raconter, peut-être, quelque chose d'un peu corse. Ah, ce serait top. Mais pas que. Peut-être, mais pas que. Peut-être un dessin, mais pas que. Bien, alors, déjà, on va remplacer le pithosporome qui a le plus souffert dans la jardinière que vous avez fabriquée. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va descendre dans la plate-bande. Et moi, franchement, quand je vois deux oliviers comme ça, je pense à des alignements de lavande, par exemple. Et pour avoir une vue qui soit assez intéressante depuis le salon, il faut quand même apporter des verticales. Vous aimez les saules crevettes? Voilà, on va mettre des saules crevettes entre les deux oliviers. Au pied de tout ça, dans l'alignement, on va intervertir des sauges, des petites sauges à fleurs roses, roses comme les feuilles du saule crevette, plus ou moins, et des graminées. Un peu de souplesse, un peu de couleur. Ça, c'est notre premier rang. Ensuite, devant, un rang de lavande. C'est un peu systématique, mais au moins, c'est graphique. Puis ça rappelle le sud. Absolument. Ensuite, plus corse, tu peux pas faire. Des hélichrysomes. L'immortel de Corse. Et dans l'intervalle
de ses rangs. Nous allons coucher un voile géotextile et par-dessus déposer des pétales d'ardoise. Ensuite, on va passer devant cette partie, celle de l'arrondi, qu'on va traiter d'une manière un peu différente, même totalement différente, avec des plantes qui soient un peu plus floues et plantées de manière beaucoup moins rigoureuse et beaucoup moins systématique, avec une dominante, des marguerites et des hydrangeas. Voilà, tout ça agrémenté de quelques plantes à fleurs, un peu avec des verticales, enfin des cosmos, et puis une agapanthe, enfin des choses comme ça. Tout ça me semble suffisamment graphique et affirmé. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air très joli et vivement ce soir. Allons-y! Il y aura des cordeaux tirés en parallèle, des distances au centimètre près, des fosses creusées en ligne, des graminées, des lavandes, un bouquet final beaucoup moins rigide, et deux ans plus tard, un retour sur image pour définitivement oublier le gazon. Ça fait un bel effet en tout cas, et les gens font pas mal de compliments pour le travail qu'on a fait, oui. Carole, c'est le moment de retrouver Jeune Pousse, notre série sur les initiatives écologiques. Je sens que tu trépignes, donc sans plus attendre, nous allons rencontrer Cédric Carl, spécialiste de l'éco-design et grand passionné des questions énergétiques. Vous allez apprendre beaucoup de choses, regardez. Bonjour Cédric. Bonjour Carole. Merci de nous recevoir dans ton atelier. On voit derrière toi, il y a quelques-uns de tes projets dont on va parler. Mais d'abord, dis-moi, d'où te vient cette conscience écologique? La conscience écologique, je crois que c'est arrivé progressivement, mais il y a eu un élément un peu aussi déclencheur et mobilisateur. C'est quand j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines, puisque en fait, les anciens plongeurs et plongeuses m'expliquaient que ça se dégradait très très vite, tant la biodiversité que aussi les plastiques en Méditerranée. Et puis un autre, ça a été la rencontre avec des gens du GIEC en Suisse qui travaillaient sur la fonte des glaciers. Mmh. Et dans ce cas-là, en fait, ils nous ont transmis le fait que le climat en fait, se déréglait et que ça s'accélérait et que les glaciers fondent. Et donc ça a été une deuxième étape importante. Et tu as décidé de t'intéresser tout particulièrement aux questions énergétiques, c'est ça? Moi, je suis designer de formation et donc la question des modes de vie et de nos consommations... Il y a une sorte de fil rouge, qui est notamment l'énergie, parce qu'il faut de l'énergie pour fabriquer des objets, il faut de l'énergie pour transporter ces objets, après il faut de l'énergie pour les détruire. Et donc pour moi, ça a été un fil conducteur très intéressant, où je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, et surtout, c'est pas connu et c'est invisible, et donc il faut rendre compréhensible toutes ces choses. Et justement, tu as décidé de rendre ça visible, et notamment à travers un projet qui s'appelle Solar Sound System. En quoi ça consiste exactement? Alors, le Solar Sound System, ça consiste à faire la fête en utilisant les énergies en présence, donc les énergies renouvelables, avec des panneaux solaires. Donc ça, c'est des panneaux solaires, là? Voilà, ça, ce sont des tout petits panneaux solaires. Et puis, en fait, surtout, on fait pédaler les gens sur les vélos. Et là, du coup, c'est participatif. Et en fait, les gens pédalent pour mettre plus d'énergie grâce au pédalage. C'est super ludique et ça va au-delà, en fait, finalement. Là, c'est le côté visible et marrant, mais tu te sers de tout ça pour d'autres projets qui sont encore plus importants. Exactement. C'est-à-dire que, bien sûr, on fait la fête, c'est important, mais en fait, ça finance des projets de recherche. On s'est dit, il faut qu'on regroupe sous une seule frise chronologique toutes les innovations du passé énergétique qui sont un peu oubliées, qu'on avait mis au placard, qui n'avaient pas de viabilité économique à un moment donné, et qui sont dans le domaine public et qui permettent d'écrire une histoire possible de cette transition énergétique qui semble un petit peu compliquée quand même. Donc c'est-à-dire que tu es allé dans les archives et tu as regardé tous les brevets? C'est ça, on s'est mis un peu comme des Indiana Jones de l'énergie, on est allé chercher dans les brevets, on a appelé des communautés à chercher avec nous, on est allé à la BNF, on est allé dans des sites web, chez des bouquinistes aussi, parce que les bouquinistes, en fait, ils ont aussi des grandes collections d'archives. Et donc on a récolté tout ça. Et aujourd'hui, après 5 ans, en fait, on s'aperçoit qu'on a vraiment une ressource très intéressante et des brevets qui racontent des choses à faire aujourd'hui, en fait. Il y a un brevet qui est intéressant, c'est le Regenbox. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Regenbox, c'est assez fou parce que effectivement, dans les années 80, il y a un électrochimiste qui développe un projet pour recharger les piles non rechargeables. D'accord. Et donc, c'est les piles qu'on appelle alcalines, voilà. Et en fait, ce brevet, il va tomber dans l'oubli, en fait, c'est un produit qui ne va pas avoir son heure de gloire à ce moment-là, mais parce qu'à l'époque, on n'utilise pas encore de piles rechargeables, donc si tu veux, ça ne marche pas, en fait, ça ne se vend pas à l'époque. Et nous, du coup, on a repris ça, on a fait Regenbox, et on a
fait toute une communauté de travail autour d'un chargeur de piles du coup qui fonctionne. Mais alors si je te suis bien, en fait on peut recharger les piles que l'on a achetées qui ne sont pas rechargeables à la base, mais vraiment on peut les réutiliser, c'est ça? Oui, effectivement, grâce à la régénération, donc c'est une autre technique que pour les piles officiellement rechargeables, eh bien en fait on peut leur redonner une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie, on peut recharger les piles non rechargeables. Et ça, ça change la donne. Et il y a une troisième innovation, parce que tu t'intéresses beaucoup aux questions de précarité énergétique, surtout pour les étudiants. Absolument. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Eh bien en fait on a travaillé historiquement aussi sur la précarité énergétique, et notamment celle des étudiants, parce qu'elle est très peu étudiée, il y a encore beaucoup de choses à faire envers les étudiants. Et du coup on a créé des workshops itinérants qui vont d'école en école. Et c'est des workshops créatifs où on essaie de trouver tous ensemble des solutions pour les étudiants, pour lutter contre la précarité énergétique, et donc faire des économies, avoir un meilleur confort thermique, trouver les petites combines pour décrypter les factures, etc. Et tout ça, en fait, on le remet en commun, on fait des tutos, et on le partage à l'échelle nationale et même avec d'autres pays. Et alors, on va partager autre chose avec nos téléspectateurs. Cette fois-ci, c'est ton geste écologique. Quel est-il? Eh bien, le mien, en fait, c'est de tester ses piles avant de les jeter, avant de les emmener au bac de tri, bien sûr. Pourquoi? Parce que souvent, dans un appareil, il y a une des piles qui ne va plus fonctionner, l'appareil ne va plus fonctionner, mais du coup, on ne sait pas laquelle, et du coup, on les jette toutes. En fait, il faut les mesurer avant de les jeter. Pourquoi? Parce qu'en faisant des statistiques avec Regenbox, eh bien, on a vu qu'il y avait plein de piles neuves qui étaient jetées en fait, dans les bacs de tri. Mais... une sur quatre, et ce qui est déjà beaucoup. Donc, ça va faire des économies, et c'est bien pour la planète. C'est Je ça. Vais m'équiper, promis, Cédric. Merci beaucoup. Merci à vous. L'idée que des piles qui ne soient pas rechargeables puissent l'être, alors là, ça me cloue le bec. Bah alors justement, regarde, je t'ai ramené la machine pour recharger tes piles. Merci. Et comme tu t'éclaires à la bougie. Mes bougies électriques vont avoir une seconde vie. Oui, parce que la bougie électrique, hein, chez Stéphane. Et maintenant, nous allons parler d'un métier rare et d'un objet emblématique de notre culture, le sabot. Nous avons la chance de découvrir le processus de fabrication grâce à Michel Cousin qui nous ouvre les portes de son atelier. Bien celui-là, il a été marqué pour être abattu. Ben ça, on peut faire beaucoup de sabots avec ce genre de tronc. Hein. Parce que là, c'est le diamètre idéal pour faire des sabots. Hein. Et puis là, on peut couper jusqu'à une quinzaine de mètres. Sur la partie basse, on peut faire des 44, 45, puis finir avec des petites pointures sur la partie haute. Donc on peut partir d'un tronc comme celui-ci, faire énormément de pointures. Alors son nom scientifique, c'est le Phalgus sylviatica. C'est un hêtre. En breton, c'est un faou. Alors là, on est dans le pays du Léon. Il y a une culture de la danse, du costume et du sabot, puisqu'on porte encore le sabot dans les fesses-noses. Le sabot, ça reste la petite Madeleine de Proust du breton. J'ai commencé à découvrir le sabot quand j'ai commencé à les fabriquer. Et j'ai voulu porter le sabot le jour où j'avais fait mes sabots moi-même. Donc là, on a deux belles pièces de bois où on va pouvoir faire deux, voire même trois sabots dans cette rouelle. Et on va le travailler sur les extérieurs. Le cœur est beaucoup trop dur et c'est la partie qui fend le plus rapidement. Mais là, a priori, on va avoir un beau sabot avec un beau veinage. Et c'est presque une œuvre d'art, puisqu'on va, travailler une pièce de bois qui est brute et on va la former pour créer un objet, comme les bois de ronces, les bois de noyer, qui ont un côté esthétique intéressant dans l'ébénisterie. Le travail à l'acier ruban, c'est justement de commencer à faire un pied gauche et un pied droit. On va regarder par le sens du fibre du bois en gardant l'écorce sur l'intérieur du sabot. Bon, là, je vais positionner mes deux blocs. Je commence par mon pied gauche et mon pied droit à côté de mon sabot modèle. Thank you.
la particularité d'un bois qui est encore, qui est vert, c'est que quand on souffle dedans et qu'on voit la sève sortir, on sait qu'il est encore bien gorgé de sève et donc le bois est tendre pour la prochaine étape. Pourquoi les sabots ? Parce que c'est le fait du hasard qui a fait que j'ai rencontré un vieux sabotier qui cherchait à être repris pour que ce métier continue dans le Finistère, parce que c'était le dernier sabotier du Finistère. La saboterie, comme d'autres métiers d'art, ce sont des métiers de passion. Hein ? Donc je trouve que c'est une belle reconversion de reprendre un métier qui existe depuis très longtemps et qui, je l'espère, sera repris par un jeune, encore plus jeune que moi, ça serait très bien, et qu'on puisse continuer à fabriquer le sabot. Et c'est un challenge, mais je dirais qu'à n'importe quel âge, on peut se former et continuer à apprendre. Là, on est dans la dernière étape de la fabrication du sabot, ce qu'on appelle le fumage, où on a cette fumée qui va tourner autour du sabot pendant toute une nuit et qui va m'enlever à peu près 20-25% d'humidité. C'est la marque de fabrique de tous les sabotiers, puisqu'on est le seul métier à travailler du bois vert, et donc le seul métier qui fait fumer ses sabots. Donc il a plein d'avantages, le sabot. Hein. Pasteur disait même au début du siècle, quand le caoutchouc est arrivé, les maladies arrivaient par les pieds, donc il fallait garder les pieds au chaud et il n'y avait que le bois qui pouvait conserver cette chaleur humide. Ah bah là, on est sur le produit fini, là, puisque là, on pose la bride et la dernière touche, c'est poser les caoutchoucs dessous. On sent effectivement en ce moment qu'il y a un renouveau sur des produits beaucoup plus sains, fabriqués français, avec des matières recyclables. Le bois, le cuir, tout ça, on peut le retravailler derrière. Donc il y a effectivement une clientèle qui se rajeunit d'année en année. Les produits sont faits pour durer, mais les gens qui portent le sabot les gardent pendant des années et des années, des décennies. Donc voilà la signature de la saboterie de Léon. Oui, elle est belle. Enfin, non, elle n'est pas vraiment belle, vois-tu. Parce que t'es dure avec toi-même. Mais non, la cive, c'est une tige comme ça que tu vas tailler, mais il faut qu'elle fasse à peu près 7 mm de diamètre. Là, elles sont beaucoup plus petites, parce que se passe-t-il? La cive, soit tu la sèmes, mais c'est aussi un légume perpétuel. Donc, chaque année, tu vas la refaire, tu vas la replanter à deux reprises. C'est-à-dire qu'en septembre, je divise les cives pour en avoir de jolies au printemps. Et en mars, je recommence pour avoir de jolies cives. En septembre. En septembre, vois-tu ? Et parce qu'au bout d'un an, elles deviennent toutes petites comme ça. Elle a une tendance fâcheuse à s'enfoncer dans le sol. Ce que tu peux faire, c'est la remonter pour qu'elle arrête de couler. Mais pour avoir des cives potables à mettre dans la salade... Et toute l'année ? Et toute l'année, il faut faire deux plantations par an. OK. Et donc, nous allons faire la plantation de printemps. C'est-à-dire que là, je vais casser la motte. Oui. Et on va dégager le pied. Puis si on n'a pas assez, on en prendra un autre. Et toi, tu vas, une fois que j'aurai fait ça, tu vas prendre les cives avec le couteau. Tu vas les diviser de façon à les remettre 3 par 3. Pas plus. Non. Tu prends ton couteau. Tu en comptes 3. 1, 2, 3. Bon, là, il y en a peut-être 4, mais c'est pas grave. Et tu files tout droit. Attention, vers de terre. Comme ça, voilà. C'est bien, hein? Ouais. Et après, tu vas les habiller. C'est-à-dire que je les coupe? C'est comme les poireaux, tu sais. Tu coupes la moitié des racines. OK. Ça va aider le plant à produire d'autres racines et à s'enraciner. Et tu coupes la moitié des feuilles, parce qu'évidemment, comme il y a moins de racines, il ne faut pas que le plant s'épuise. Et tu ne gardes pas les feuilles? Non. Ce n'est pas la partie la plus consommable. Ce qui est formidable dans la cive,
c'est que le fût comme ça est assez long, elle est deux fois plus grosse que ça, et donc tu vas garder la partie blanche et le début de la partie verte, qui est pleine de vitamines, mais pas l'extrémité des feuilles qui souvent, tu vois, ont commencé à jaunir. Donc c'est un peu comme le poireau, tu vois, tu manges pas l'extrémité des feuilles qui est plus ferme. Donc voilà, c'est cette partie-là qui est vraiment savoureuse. D'accord. Et donc là, tu vas faire une butte, j'imagine. J'ai vu que tu avais fait celle-là. Je vais faire une butte tout le long de mon rang, comme cela, et monter la terre à peu près à une vingtaine de centimètres par rapport au niveau de ce sol ici. Et en faisant cela, je creuse un petit fossé. Donc l'eau va circuler dans le fossé et le haut de la butte sera les pieds au sec, ce qu'adore. Elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Non, ça, elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Et puis de cette façon-là, le fait qu'elle coule, ça va s'éroder un tout petit peu. Donc je vais rattraper le fait qu'elle s'enfonce. Ah oui, tu vois. Je l'avais dit dès le départ. Donc là, je vais, c'est tout simple maintenant. Donc tu vois, j'ai fait cette petite butte comme ça. Je l'ai bien plaquée sur les côtés pour qu'elle ne s'effondre pas trop vite. Et aplani un petit peu sur le dessus, de façon à pouvoir installer mes cives. Pas comme si elles étaient en haut d'une pyramide, tu vois. Tu les espaces de combien, tes cives? Donc, 1,5 cm de profondeur et 25 cm entre chaque plan sur la plaque du rang. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Pour l'entretien, Stéphane. Eh ben écoute, je vais biner régulièrement sans effondrer mes buttes. Et je pense que d'ici le mois de septembre, nous aurons de belles cives. Tu vois, des belles cives comme ça. Nous pourrons savourer dans la salade. J'adore. Ça promet de belles salades d'été. À présent, nous allons parler de changements climatiques qui impactent les arbres. Sécheresse, tempête, invasion d'insectes. À chaque fois, ça détériore des milliers d'arbres. Alors les forestiers anticipent et s'organisent pour une résilience des arbres. Regardez. Dans la perspective d'une évolution de notre météorologie, l'adaptabilité des forêts devient un enjeu majeur pour la foresterie contemporaine. Dans le massif du Frot, 170 hectares de conifères fournissent la production de graines forestières améliorées, des essences suivies scientifiquement et sélectionnées pour s'acclimater à l'environnement de demain. On est dans un milieu forestier, mais en fait, c'est un verger à graines. C'est pour ça que les arbres sont plantés en ligne et sont relativement espacés, de façon à ce que les houppiers, comme on dit, c'est-à-dire la tête, puissent se développer correctement pour donner un maximum de fleurs, recevoir de la lumière et donner un maximum de fructification de cônes, parce que ce sont les conifères. La récolte de graines de ces vergers-là va permettre de faire des boisements ou des reboisements dans les forêts françaises. Quand on travaille dans les semences d'arbres, en général, on a toujours la tête en l'air. On ne regarde pas trop par terre, mais on regarde en l'air. Parce qu'on regarde les fructifications, on regarde les feuilles, on regarde des fois l'état général, l'état sanitaire, on regarde un peu tout, quoi. La saison est assez courte, ça commence donc en août, et voilà, il y a à peu près entre 3 et 6 semaines de récolte de Douglas. Ensuite, on enchaîne sur du pin laricio, du coup en octobre, mais il y a aussi d'autres essences comme le cèdre, le pin sylvestre. On est payé au volume. Et du coup, on essaie d'avoir 100 litres par jour, du coup, un hectolitre. Le programme des vergers en France remonte dans les années 70, hein, donc on peut dire pas loin de 50 ans maintenant. On peut aussi récolter des vergers en forêt, dans des peuplements classés, mais les vergers à graines, par principe, ce sont des arbres améliorés, donc ce sont des arbres en principe plus performants, qui sont plus droits, donc ils vont produire un bois d'œuvre de meilleure qualité, avec moins de branches, et puis aussi maintenant on inclut des résistances nouvelles, comme des aptitudes à résister au vent, aptitudes à résister à la sécheresse, donc on tient compte quand même de tous ces éléments climatiques auxquels il faut faire face. Chaque arbre est répertorié, et lorsque la récolte est validée, elle est donc certifiée, et ça va être la garantie de la qualité et aussi de la traçabilité. La récolte est terminée. Il est temps de trier les graines. Une étape vitale et déterminante pour la qualité des plants forestiers. Chaque année, près de 60 espèces forestières passent à travers les tamis pour une récolte qui avoisine les 80 tonnes de semences. Ça, ce sont les cônes qui arrivent des vergers du Lot qu'on a récoltés l'autre jour. Donc, ils ont été en sécherie 4 à 5 semaines. Et une fois qu'ils sont ouverts,
bah, la graine peut sortir. Donc une fois qu'ils sont ouverts, ils vont passer dans le cylindre pour l'extraction de la semence. Ici, on a 250 litres de cônes. Et sur ces 250 litres, on va extraire que 2 kg de graines. Donc c'est un rendement relativement faible. On est de l'ordre de 1%. Le pain laricio, c'est 3 millions d'arbres par an. Donc pour produire 3 millions d'arbres par an, ben, il faut peut-être 6-7 millions de graines. Mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas suffisant. La forêt française est quand même très, très grande. Hein. On parle de 17 millions d'hectares. Après, toute la forêt n'est pas une forêt plantée, évidemment. Mais il y a un gros besoin quand même pour alimenter les boisements et reboisements. On les a récoltés à l'automne 2021. On va faire tout le travail de nettoyage, de triage pendant l'hiver. Et après, on va les livrer à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Et elles vont être semées pratiquement tout de suite chez les pépiniéristes. Et ça va faire du plant dans un an, deux ans, ça dépend des espèces. Cette année, c'est une petite saison. Petite saison, on a des bonnes saisons tous les 4-5 ans. Hein. Voilà, c'est le jeu quand on travaille avec de la ressource naturelle. Aujourd'hui, on a beaucoup de vergers, mais finalement, c'est des vergers relativement anciens. Donc, ils produisent moins qu'il y a quelques années. Donc, il faut renouveler les vergers existants avec d'autres parents, évidemment. Et on a besoin aussi de diversité. Donc, il faut augmenter les surfaces et aussi augmenter la diversité par un plus grand nombre d'espèces. Ah, c'est du cèdre de l'Atlas. Cette année, on a fait une grosse récolte quand même de cèdre de l'Atlas. Ce qui est bon parce que le cèdre, c'est une espèce qui est adaptée au changement climatique. Et il est très demandé pour l'adaptation des forêts aux évolutions du climat. Quoi. Voilà, là on voit bien la graine. Traditionnellement, les vergers à graines se trouvent dans le sud-ouest. À présent, l'Office national des forêts en cultive d'autres, beaucoup plus au nord, comme ici en Loire-Atlantique. Une variété de pins, mieux armée face au réchauffement climatique, vient d'être plantée dans une ancienne vigne. Alors les plants ont été élevés en pépinière. Là on est dans un croisement en fait de pins maritimes des Landes et de Corse. Les deux pins maritimes, le croisement des deux apportant pour l'un la vigueur et pour l'autre la capacité d'adaptation et de résistance à tout un tas de maladies, de pathogènes. Maintenant, on a des techniques où on plante directement, c'est-à-dire qu'on fait des copies des arbres qui nous intéressent par greffage et on les installe dans des terrains qui sont dédiés. Bon, il y a un côté très pratique parce que ça nous permet de les suivre. On élimine également les problèmes d'introgression, disons de croisement non souhaité avec d'autres pins. Voilà. Puisque là, si vous regardez alentour de nous, eh bien, il n'y a pas de pins. La parcelle fait 9 hectares. On a 3500 arbres qui ont été installés dans l'objectif justement de favoriser le mélange et le brassage génétique de tous ces arbres. Et donc ce brassage, ça permet justement d'offrir des combinaisons génétiques qui sont très diverses et qui seront ben, au maximum adaptées à des climats, à un climat qui n'arrête pas de changer, quoi. Et sera beaucoup, beaucoup plus sec dans les décennies à venir. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc on a en projet d'installer sur un autre terrain, c'est proche d'ici, un verger à graines avec du chêne pubescent. Il a un caractère plus méridional et il résiste mieux, il tolère mieux des climats plus contraignants en termes de sécheresse. Comme le climat va changer, ces arbres sont déjà bien adaptés ici, mais à échelle de 2060, ils le seront encore. Pour peupler la forêt de demain, la première récolte de graines adaptées au changement climatique est prévue pour 2030. Vous ne savez pas quoi faire de vos pots cassés, nous avons peut-être une solution. Nous allons parler des jardins miniatures. Stéphane a bien gratté son pot, c'est bien Stéphane. Tu te moques de moi, hein? Jamais. Bon, très bien. Alors, l'autre jour, je suis allé dans une jardinerie et à l'endroit où sont présentées les plantes miniatures, j'ai vu une composition qui était une sorte de micro-paysage, alors tu penses bien, ça m'a plu, fabriqué, enfin conçu avec des pots cassés. Je me suis dit, alors ça, vraiment, d'abord, ça fonctionne, j'ai trouvé que c'était assez joli. Et secondo, j'ai plein de pots cassés à la maison, ce serait peut-être un moyen de les recycler et de m'amuser avec. Oui, moi j'en ai vu sur les réseaux sociaux.
Bah, c'est ce que j'ai fait après, tu comprends. Je suis allé me promener là-dedans, voir un peu quelles étaient les autres propositions. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est ingénieux. Il y a des gens inventent un truc, puis ils rajoutent des escaliers et tout. Oui, c'est ça. Alors voilà, je me suis dit que nous allions essayer d'en fabriquer un, d'en concevoir un. Tous les pots sont là tout autour de nous. C'est une belle collection, hein. Et surtout, j'aimerais voir comment nous allons installer les plantes à l'intérieur. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir un micro-paysage qui reste sur la terrasse. Ouais. Ça sera pour une autre fois. Mais plutôt quelque chose qui ira dans le jardin d'hiver ou dans la maison même. Donc plutôt des plantes d'intérieur, succulentes, ce genre de choses. C'est gagné. Donc nous allons choisir la base. Le contenant premier, c'est ça? Le premier, voilà, le contenant premier. Ce pourrait être ce pot-là qui est, celui-là, qui est assez bien. Amusant. Celui-là aussi, ce serait un peu petit, mais c'est trop petit pour moi. Il a la folie des grandeurs, comme d'habitude. Et je me suis dit que peut-être l'option, ce serait celui-ci. Tu vois, avec 40 cm de diamètre. On va commencer par mettre une soucoupe en dessous, parce que ça commence comme ça. Hein. Voilà. Et après, pour monter, alors l'idée, c'est de faire des jardins en terrasse, ouais. Avec plusieurs niveaux. Hein. Donc, il faut choisir des fragments de peau dont le diamètre va être inférieur à celui-là, sans quoi ça ne va pas rentrer. Pour consolider tes terrasses, c'est ça? Voilà. On va essayer celui-là? Allez, essayons. Donc tu vois, celui-là, il a un diamètre quasiment équivalent. Oh, écoute, ça pourrait fonctionner. Ouais. On en essaie d'autres pour voir. Pour le dernier étage, celui-là. Ouais, mais il y a celui-là aussi. Là, tu vois, ça laisse un peu plus d'espace devant. C'est bien, là. Ça, c'est bien. Pas mal. Ce qu'il va falloir faire, c'est caler ce dernier-là avec des tessons. Et puis par-dessus, donc ça va boucher le trou de drainage. Ensuite, par-dessus, on va mettre un peu de gravier et ajouter deux substrats. Et voilà. Voilà, donc Carole, ici nous avons mis du terreau et du sable parce que je pense que ce serait bien d'installer des plantes succulentes dans la mesure où lorsque tu arroses, l'eau file vers le fond. D'accord. Le fond, c'est un peu plus par là. Donc là, ce sont des plantes plus tropicales, enfin des plantes qui vont aimer avoir les pieds dans un substrat légèrement humide. C'est joli, hein? Ah, quand même! Ouais, c'est bien. Bon, c'est un essai, hein. Mais amusant à faire. Ben, c'est très amusant à faire. Et puis, vois-tu, pendant quelques mois, ces plantes vont faire leur vie à cet endroit. Et puis, peut-être que celles-ci vont se mettre à grandir démesurément ou je ne sais pas. Et dans 6 mois, tu auras envie de tout démonter pour tout recommencer avec d'autres plantes, celles-ci, plus d'autres. Enfin, c'est ludique. Il se lance dans une collection de jardins miniatures. C'est parti. Pourquoi pas? Alors, il y a des jardins miniatures, mais il y a aussi des jardins cachés. Et dans cette émission, on aime bien vous faire découvrir des lieux extraordinaires. Avec Stéphane, nous allons voir le jardin du prieuré Notre-Dame d'Orsan, un joyau de l'architecture verte. Dans le Berry, il y a une trentaine d'années, le couple d'architectes Taravella-Lesseau investissait le prieuré d'Orsan avec le projet d'y planter une évocation puissante des jardins médiévaux, une réinvention inspirée, basée sur de rares enluminures. Marie, pourriez-vous me raconter l'histoire de la fondation du prieuré Notre-Dame d'Orsan? Alors, le prieuré a été fondé au XIIe siècle par Robert d'Arbrissel. Robert d'Arbrissel, c'est lui qui a fondé l'abbaye de Fontevraud. Robert d'Arbrissel est mort à Orsan. Donc, il avait légué son cœur au prieuré et son corps était à Fontevraud. Et on peut imaginer que ce fondateur, avec les moyens qui étaient les siens, a créé un lieu peut-être plus important encore que ce que nous Bien voyons sûr. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime que les bâtiments que vous voyez autour, c'est 10% de ce qu'il pouvait y avoir à l'époque, quand le prieuré était en pleine activité. Et il est resté en activité jusque quand? Jusqu'à la Révolution française. Ensuite, ici, c'est devenu une ferme. Et en 1991, c'est un couple d'architectes qui a racheté le lieu. Et eux, ils ont décidé de réinstaller des jardins en s'inspirant de la vie du lieu. Donc des jardins d'inspiration monastique médiévale. Ce qui n'était pas si simple que ça, parce que les sources ne sont pas si nombreuses. Exactement. Ils ont fait comme une compilation de tout ce qui pouvait rester comme trace, donc des gravures, des enluminures, des textes. Et ils ont fait une espèce de synthèse ici à Orsan. Les jardins devaient nourrir et le corps et l'esprit des gens qui y vivaient. À l'intérieur du clos. Et boire.
Parce que là, tout autour de nous, c'est assez extraordinaire, ces quatre carrés. Voilà, alors ils ont installé donc, ce cloître qui distribue les différents jardins. D'accord. Comme dans une abbaye, il va distribuer les différents bâtiments. Mm-hmm. Et quatre carrés de vigne, puisque la vigne, le blé et l'olivier, c'est les trois plantes sacrées dans la religion chrétienne. Donc on les retrouve à petite échelle ici, présentées dans les jardins. Et tout ça avec une architecture végétale qui est impressionnante. La base du jardin, c'est le charme. La charmille qui se prête bien à la taille et qui va venir faire ces petits jardins clos, très fermés. Ce qui est amusant dans ces jardins médiévaux, c'est l'idée du dedans et du dehors. À l'intérieur du clos, c'est l'ordre, c'est organisé, et contrairement à l'extérieur qui est sauvage et dangereux, entre guillemets. Donc là, on se trouve sur l'axe principal de ces nouveaux jardins. Hein, puisque le porche d'entrée, en fait, il se trouvait là-bas il tout au bout. Il est juste là, on le voit. On le voit. Mmh. La fontaine s'est installée sur cet axe. D'accord. Et s'est installé maintenant le verger ici. Souvent, au Moyen-Âge, le verger abritait aussi le cimetière. Hein, les moines étaient enterrés sous l'herbe verte, symbole de la félicité future. Et cet alignement d'arbres représentait la résurrection. Et en fait, c'est aussi l'occasion d'inventer ou de réinventer ou de retrouver des formes diverses comme ces bancs et des tas d'autres formes. Oui, le châtaignier, c'est la base du jardin ici. Il nous sert à guider les plantes, structurer et à faire ce fameux plessis. Et ce que je trouve magnifique là-dedans, c'est que tu sors de la terre, tu retourneras à la terre. L'arbre pousse, on l'utilise, on le façonne, il se dégrade et il redevient poussière. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on a très peu de traces des jardins médiévaux. Très certainement. Toujours un jeu d'architecture de bois qui évoque l'abbaye lorsqu'elle était plus grande. Voilà, exactement. Donc là, on a cette espèce de gloriette un peu clocher qui répond à la tour Éléonore de Bourbon, que vous voyez ici. Mm-hmm. On peut se parler un peu de l'ordre des fontevristes. Alors, c'était un ordre particulier puisque les hommes et les femmes vivaient sur le même lieu. En fait, c'était des femmes, donc une prieure ici à Orsan. Et les hommes vivaient autour et étaient là pour cultiver les jardins, etc. Et les femmes dédiées à la prière, elles. En fait, un des principes, c'était la recherche de la tentation charnelle pour mieux la maîtriser. Risqué. Mais c'était un des principes de cet ordre. Voilà, sur le balcon, avec de ce côté, l'olivier. Hein. Comme je disais, vigne, blé, olivier. Et bien voilà l'olivier. D'accord. Planté en hauteur pour bien drainer les racines, puisqu'on n'est pas dans sa région d'origine. Non, pas tout à fait, on n'est pas chez les Grecs. Hein. C'est ça. Et là, bah, donc, c'est du raisin de table cette fois-ci. Chasselas, muscat. En fait, l'idée ici, c'est dans un esprit contemporain, d'évoquer et de retrouver quelque chose du Moyen-Âge, quelque chose de l'esprit de ces lieux. Voilà. En fait, on n'est pas restreint, par exemple, au niveau des variétés de plantes, où vous allez trouver la tomate, qui, au Moyen-Âge, n'était pas connue. Hein. Non, mais... il n'avait pas traversé encore l'Atlantique. Et pas encore, voilà. Mais on part du principe que les moines voyageaient et s'échangeaient des plantes d'une région à une autre, et on le réapplique à notre époque. Hein, bah, les monastères sont des puits, des lieux de savoir, et de connaissance, des lieux de recueil de la connaissance, et des lieux de curiosité, c'est vrai. Et on fait passer au visiteur qui vient aujourd'hui, et on va lui expliquer, bah, cette plante-là, elle va servir à ça, et celle-ci, on l'a découverte comme ça, etc., etc. On continue à transmettre. Depuis quelques années, une nouvelle équipe a repris le prieuré Notre-Dame d'Orsan pour que le rêve se poursuive, pour que nature et architecture trouvent encore et toujours leur point d'équilibre dans la félicité. Il est temps de passer à la plante de la semaine avec plein de consonnes et plein de voyelles. Oh là là, c'est compliqué. La Chenalia namaqua. J'ai réussi. Bravo Stéphane. C'est une plante de la famille des Liliacées. Elle est originaire d'Afrique du Sud. C'est une vivace bulbeuse. Mm-hmm. Son feuillage est caduque. La floraison intervient pour cette variété à la fin de l'hiver. Voilà, mm-hmm. Elle est là. Elle va mesurer 30 cm de hauteur. Elle va adorer les expositions plein soleil. Un sol neutre, mais très, très, très bien drainé, sans quoi
elle pourrit. Elle va résister à moins 3, moins 5 degrés. C'est la raison pour laquelle elle passe l'hiver dans le jardin d'hiver. Mais c'est un ravissement que de la voir s'épanouir à cette saison. C'est une curiosité qui nous fait voyager à l'autre bout de l'hémisphère sud. Son nom, à nouveau ? La Chenalia Namaqua. Autre curiosité, c'est le jardin de Julien qui habite à Nantes et qui souhaite un jardin corse. Oui, ça lui rappelle ses vacances. Alors Stéphane s'exécute, mais il est retourné voir 2 ans plus tard si sa proposition a fonctionné dans le temps. Stéphane a retrouvé Julien devant sa maison. L'entrée vient d'être couverte d'un enrobé noir, le pied des murs de gravier blanc. Il désespère de sa pelouse transformée en paillasson et rêve de Corse. Le dessin s'inspire des champs de lavande et continue à jouer les contrastes forts. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça a l'air très joli et vivement ce soir. Allons-y ! Julien va commencer par déterminer les 3 rangs qui sont ceux des saules crevettes avec les graminées, de la lavande ici et des hélichrysomes ici, avec les cordeaux bien entendu. Ensuite, il va falloir décaisser les rangs de manière à enlever l'herbe, à travailler un peu la terre pour ensuite planter. Bon, c'est parti. Le premier cordeau est tendu entre les 2 oliviers, une première ligne sur laquelle s'appuyer pour tirer les suivantes. Une mesure précise va permettre de répartir équitablement les 3 saules crevettes entre les oliviers. Les fosses sont creusées, les arbustes plantés. À leurs pieds, des graminées et des goras entrent dans le rang. Plus près du trottoir de la maison, une série de trous sont creusés pour y planter des hélichrysomes. Sur la ligne suivante, les lavandes exhalent déjà. Okay. Julien, on commence à sentir les rangs là. Et pour que ça soit effectif le plus longtemps possible, il faut tailler. D'accord. L'hélichrysome italicum, qu'on appelle aussi immortel de Corse, elle fleurit au mois de juillet. Et juste après la floraison, c'est impératif de la tailler, de façon à revenir sur du bois jeune mais assez court, de façon à ce que les nouveaux bourgeons partent du plus bas possible pour que la plante reste jeune et dense et fraîche un certain nombre d'années. Un pied de lavande, on estime que ça peut être beau et exploité en tout cas pendant 12 ans. Ah oui, donc il y a un peu de temps. Voilà, mais il faut à condition chaque année de bien reprendre les choses. D'accord. Stéphane dégage les herbes restantes du bord du trottoir, décaisse les bosses, comble les creux, nivelle au râteau toute la plate-bande avant de dérouler des rubans découpés dans un rouleau de voile géotextile. Ils sont soigneusement plaqués au sol, ils empêcheront les paillettes d'ardoise de se mélanger à la terre et les adventices de pousser. Près de l'entrée, c'est un massif plus en volume qui va voir le jour. Des marguerites, des alliums sont accompagnés d'agapanthes blanches et bleues, d'un arbre au faisan, rejoint par des hydrangeas, mais pas tout à fait ceux dont Julien rêvait. Julien, tu disais, je voudrais des hydrangeas Annabelle. Et j'ai bien entendu ce que tu as dit, mais je trouve que les hydrangeas paniculata comme celui-ci sont plus résistants à la chaleur. De manière générale, ça a une structure beaucoup plus forte et c'est plus facile à conduire et en même temps, ça laisse plus de latitude parce que généralement, les Annabelles, on les coupe au pied à la fin de l'hiver de manière à ce qu'ils fleurissent, parce qu'ils fleurissent sur leur pousse de l'année comme cela. Alors que celui-là, il te laisse plus de possibilités parce que si tu décides que c'est à cette hauteur-là qu'ils sont intéressants, eh bien, tu les tailleras à cette hauteur-là. Mais si, par exemple, tu trouves que c'est comme ça qu'ils doivent être, eh bien, chaque année, tu les tailleras à 10 cm du sol. Enfin, ils te laissent une marge de manœuvre qui, je trouve, est plus intéressante et ils feront des rameaux chaque année aussi généreux que celui-là. Et elles sont très jolies. Au pied des plantes, sur un géotextile plus fin, plus simple à découper, un paillis de pierres ponces blanches est étalé. Stéphane libère les lavandes, c'est l'entrée des lanternes, éminemment graphique. Fin de partie. Julien, hein, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est un peu moins radical que ce que vous aviez envisagé initialement? Oui, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus fleuri. C'est exactement ce qu'on attendait. Donc du côté du salon, c'est vraiment sympa. Dès qu'on rentre ici, c'est tout de suite plus accueillant. Les sols crevettes, ils ont tout à fait leur place entre les 2 oliviers. Ça fait un jeu de relief. Les petits graminées entre les sols crevettes, ils ont bien leur place. Ça apporte un peu de souplesse. Hein. Et tout en ligne, comme ça, c'est vrai qu'on n'aurait pas osé jouer sur la longueur. Mais c'est vraiment joli.
Je t'avouerai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Quelque chose d'aussi systématique comme ça, mais d'aussi efficace, parce que je trouve ça extrêmement efficace, on n'a jamais osé le faire. C'est vraiment très beau. Bon, bah écoute, si t'es content. Merci Stéphane, en tout cas. Profitez-en bien. Merci Stéphane. Entre le choix du gravier intégral et la plate-bande classique trop chronophage, le petit jardin de l'entrée a trouvé un entre-deux satisfaisant. L'évocation des champs méditerranéens au parfum si particulier apporte un peu de poésie. Les paillis utilisés en masse vont sérieusement limiter l'entretien et les arrosages. Il aurait tout de même été dommage de bétonner le gazon paillasson. Bienvenue chez Julien. Deux hivers, deux étés, comment toutes ces plantes installées sous les graviers ont-elles pris place? Le jardin a-t-il affirmé son caractère? Alors, Julien, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans exactement. 2 ans. Et comment est-ce que vous avez vécu cet endroit? Bon, très bien, on en profite. Tu ne regrettes pas ton gazon? Non, je ne tombe plus du tout. On gagne beaucoup de temps. C'est quand même beaucoup plus esthétique. Quand on rentre, c'est vraiment sympa. Non, en fait, les lignes existent complètement. Tout ça, c'est bien installé et reste complètement graphique. Je trouve ça vraiment bien. C'est parce que tu as taillé tout ça avec beaucoup de rigueur. Bah, j'ai suivi les conseils. Après chaque floraison, taillé. Après l'été aussi, bien rabaissé, bien taillé. Donc, ça se plaît plutôt bien. Donc, juste un peu d'arrosage et c'est top. Enfin, en entretien, c'est une demi-heure de temps en temps pour un petit peu éclaircir, un petit peu tailler. Mais sinon, en gain de temps, c'est énorme par rapport au ce qu'il y avait avant, la pelouse, etc., qui n'était pas très belle en plus. Bah, qui était grillée comme un paillasson, ouais. La pauvre, bien sûr. Donc, c'est vraiment top. Du salon, c'est vraiment beau. Quand on rentre, c'est vraiment beau. Donc, c'est vraiment très bien. Et toutes ces petites choses-là ont bien pris leur place, elles aussi. On a rajouté la petite plante ici. La sauge, elle est sublime. On a rajouté Une gora. Une gora, c'est ça. Et pour le coup, vous avez eu envie de continuer? On en a profité, on a investi dans des pots, des petites plantes, pour améliorer un petit peu l'entrée, la rendre un peu plus esthétique. On est plutôt contents. Ben moi, je trouve que lorsque l'on arrive, et j'imagine que lorsque vos amis viennent vous voir... Ça fait un bel effet, en tout cas, et les gens font pas mal de compliments pour le travail qu'on a fait, oui. Et ben moi, je suis très, très content. Ben, nous aussi. Bravo. Merci. En 2 ans, les plantes se sont vraiment installées. Les lignes se sont renforcées, tout en gagnant en souplesse. Le champ de lavande, mêlé à d'autres végétaux, fait entrer la Corse dans la maison. Le généreux massif à l'entrée a explosé. Et comme si cela ne suffisait pas, les pots nous racontent que Julien a pris du plaisir à voir pousser toutes ces plantes qui disent « Bienvenue ». Les jardins vivent et Stéphane aime les suivre. Comment on fait pour participer ? Je voulais juste te dire qu'en fait, c'était tout de même plus joli de voir ces plantes devant la maison qu'un vieux gazon pelé. C'est vrai. Voilà, et maintenant, si tu veux t'inscrire, ce n'est pas compliqué. Tu pianotes France.tv, tu demandes la fiche, tu remplis la fiche et après, tu regardes si ça pousse une fois, deux fois, trois fois. Oui, parce qu'il n'y a pas de fiche papier, tout est numérique aujourd'hui, donc ça se passe en ligne. Stéphane, tu nous as choisi un livre en écho au jardin miniature. Oui, un petit peu, vois-tu, aux éditions Ulmers, Cactées et succulentes, un livre de Yves Delange, comment les cultiver, les entretenir facilement. Yves Delange, il est maître de conférences au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il sait évidemment de quoi il parle et ce qui est formidable, c'est qu'il nous fait faire le tour du monde de ces plantes si particulières, celles que nous pouvons cultiver chez nous et celles qui vont nous faire rêver parce qu'elles sont parfois vraiment étranges. Si vous avez adoré Le Jeune Pousse, un livre à s'offrir, ça s'appelle Rétrofutur. C'est édité chez Bûcher Chastel et c'est écrit par Cédric Carle que l'on a rencontré, Thomas Ortiz et Éric Dussert. À l'intérieur, Stéphane, tu as tous les brevets qui sont tombés dans le domaine public et qui maintenant peuvent être revalorisés grâce aux technologies d'aujourd'hui. Par exemple, je suis sûre que tu te souviens, le mur à pêche. C'est génial pour justement cultiver, avoir la chaleur des murs. Ben ça, typiquement, on pourrait le réadapter aujourd'hui. Ou encore, il y a la trépigneuse d'Emeric Le Sic. Est-ce que tu te souviens? C'est la possibilité d'utiliser la force animale. En l'occurrence, là, c'est le cheval qui travaille pour les tâches agricoles. Donc voilà, à l'intérieur, tu as plein comme ça de brevets avec à chaque fois leur histoire et leur application aujourd'hui. Génial. Génial.
Et ce sera génial si on se retrouve la semaine prochaine, je crois. Mais c'est évident. Alors, à la semaine prochaine. Salut.